Soyons honnêtes, combien de fois as-tu repoussé au lendemain, voire au mois suivant, quelque chose que tu devais pertinemment faire aujourd'hui Je te comprends, surtout en tant qu'entrepreneur travaillant depuis chez elle. C'est une bataille régulière, car quand on est son propre patron, on se retrouve souvent seul face à soi-même et nous sommes les seuls à décider si on va faire l'action en question ou si on va procrastiner. Personnellement, quand je succombe à la tentation de passer une heure sur les réseaux sociaux, au lieu de créer du contenu, ça me frustre, ça m'énerve et ça finit par impacter mon estime de moi. J'ai donc entrepris de m'auto-analyser ces dernières années et aujourd'hui je vais partager avec toi ce que j'en ai retiré ainsi que ma méthode pour diminuer la procrastination. Je suis Aurélie, la fondatrice de The Good Speech et mon objectif est d'accompagner les entrepreneurs à reprendre le pouvoir sur leur vie, à devenir des leaders impactantes et bâtir une entreprise solide alignée à la vie dont elles rêvent. Alors qu'est-ce que la procrastination Pour moi, c'est ce moment où tu te retrouves à organiser ton tiroir à chaussettes plutôt que de t'attaquer à ce projet important. Mais avant de juger, est-ce vraiment mal de faire ça Si je te demande ce que procrastiner t'apporte, tu me réponds quoi Pour moi, la procrastination, elle peut m'apporter de la déconnexion, elle peut me permettre d'avancer sur des choses personnelles comme ranger le linge, et finalement, ça me fait aussi de la place dans mon esprit. Tout est question d'équilibre et la procrastination a ses avantages et ses inconvénients. Mais pourquoi procrastine-t-on Souvent pour les entrepreneurs, c'est par peur ou parce qu'on n'est plus vraiment en phase avec ce qu'on fait. Personnellement, je procrastine quand mes doutes s'installent ou quand je perds de vue mes objectifs. Je t'invite à identifier ton pourquoi à toi, car savoir pourquoi tu procrastines, c'est comme mettre des lunettes pour voir plus clairement. Maintenant, voici ma méthode pour diminuer la procrastination. Premièrement, travailler sur ton toit du futur. La solution qui a changé la donne pour moi, c'est de développer ma vision à 5 ans. C'est suffisamment proche pour me motiver, mais assez loin pour permettre une transformation réelle. Je m'imagine où je suis, ce que je fais, quelle est ma journée de type, comment et avec qui je travaille, quelle est mon énergie. C'est peut-être un exercice que tu as déjà fait, mais ça vaut le coup de le refaire régulièrement. Deuxièmement, aligner le moment présent avec ce futur. En créant cette vision à 5 ans, tu vas pouvoir t'assurer qu'elle colle avec ta réalité actuelle. Si tes projets et ta to-do list ne te rapprochent pas de ton toi dans 5 ans, c'est le moment de changer quelque chose pour te réaligner et te redonner l'envie de bosser et non de procrastiner. Ton lieu de vita, marque tes offres, tout doit être en ligne avec cette vision. Si travailler sur ta vision est un exercice difficile pour toi, utilise la technique du je ne veux pas. Envisage ce que tu ne veux surtout pas dans ta vie dans 5 ans. Ça peut te donner une direction et voir ce qu'il faut déjà que tu arrêtes ou modifies aujourd'hui. Troisièmement, établir un plan d'action concret. Tu peux le faire sur un mois, trois mois, six mois. J'aime bien travailler par trimestre et revenir en mois, puis à la semaine, puis à la journée. Tu peux définir des petites étapes, des actions que tu as envie d'accomplir dès demain. Parce que l'alignement et l'action, c'est souvent le secret pour diminuer la procrastination. Maintenant, si tu es en phase avec ta vision, mais que c'est la peur qui te fait procrastiner, demande-toi ce qui te fait avancer. Ça peut être de diviser la grande action en plein de petites actions pour que tu puisses commencer à avancer et prendre confiance. Ça peut être aussi de trouver d'autres changements qui t'aident à avancer quand tu te sens coincé. Pour moi, c'est m'entourer de gens inspirants, avoir un coach ou travailler ailleurs que chez moi. Identifie ces petits trucs et utilise-les comme des alliés. La procrastination, on la connaît tous, mais avec un peu de compréhension et d'action concrète, on peut la surmonter. Maintenant, à toi de jouer. Dis-moi dans les commentaires ce qui te fait procrastiner et quelle petite action tu vas poser aujourd'hui pour y remédier. Merci d'avoir regardé cette vidéo et pense bien à liker si elle t'a plu.